Et maintenant, nous allons donc enchaîner ces postures pour faire ensemble cette salutation au soleil. On va d'abord la faire avec les genoux sur le sol, avec la posture du cobra, pour d'abord bien préparer le corps, bien s'échauffer. Et ensuite, si vous sentez que vous pouvez me suivre, pour aller jusqu'au chaturanga, donc les pieds sur le sol et non plus les genoux, et le chien tête en haut. D'abord, on va le faire avec les briques et ensuite sans. Donc, on va vraiment essayer plusieurs choses. Vous adaptez, vous vous écoutez, vous ne forcez pas. On commence en Tadasana, à l'avant du tapis. On prend un petit temps pour arriver, fermer les yeux. Et respirer profondément. Ouvrez les yeux. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez avec le dos droit. Reculez le pied droit à l'arrière du tapis pour la fente. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Posez les genoux. Écartez peut-être un peu les genoux. Chaturanga avec les genoux sur le sol, on ne descend pas très bas. On va faire Goddess Cobra, là. Cobra de la femme enceinte, les fessiers serrés, les pieds écartés. Et on ouvre la poitrine, on lève un peu le menton. Je presse dans la base des poignets. Chien tête en bas. Inspirez, levez jambe droite vers le ciel. Expirez, posez le pied entre vos mains. Et là, une inspiration pour allonger la colonne. Une expiration pour ramener les deux pieds en pince. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. On enchaîne. Expirez, Uttanasana. On fait à gauche. Inspirez, reculez le pied gauche. Allongez le dos. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Peut-être que cette fois-ci, on enlève les briques. On pose les genoux. On serre les fessiers. On écarte légèrement les genoux. On met du poids dans les mains. Et on plie les bras. On retend les bras. Cobra ou Goddess ou Cobra. On inspire. On expire. Chien tête en bas. On inspire jambe gauche vers le ciel. On expire. Pied gauche entre les mains. Inspirez. Allongez la colonne. Expirez, Uttanasana. Je vais continuer avec la version sans poser les genoux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez poser les genoux. Urdhvastasana, Uttanasana. Reculez le pied droit. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, donc cette fois-ci sur les pieds, sur les mains. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Restez là, inspirez. Expirez, Uttanasana. Encore une dernière fois, Urdhva Hastasana. Uttanasana. On fait à gauche, les mains à côté des pieds, reculez le pied gauche, inspirez. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. D'abord, je retourne les orteils. Expirez, chien, tête en bas. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche vers le ciel, pardon. Expirez, pied gauche entre les mains. Restez là, inspirez, allongez le dos. Expirez, Uttanasana. Inspirez les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti. Main en Namasté. En face du cœur, vous pouvez continuer tout seul cette vidéo, avec ou sans vidéo, la salutation de votre choix.
pouvez faire un petit mélange de tout ça, trouver votre salutation, c'est le plus important. Soyez autonome, devenez autonome au fur et à mesure. Écoutez-vous, prenez conscience de ce qui vous fait du bien. Et remerciez-vous surtout pour votre pratique, pour vos efforts. Namasté.